Alors, je suis le prophète Joël Crasso, responsable de l'église Pentecôte Authentique de France. Je viens à peine d'arriver de Bamako. Aujourd'hui, bien sûr, je reprends mes activités à cette date aujourd'hui du samedi, j'espère le 17 octobre 2020. Voilà. Nous avons un témoignage sous la main, parce que c'est important, n'est-ce pas, d'écouter les témoignages, de voir ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et ça, c'est très important. Et surtout, Jésus a guéri 10 lépreux. Il a dit, allez vous présenter devant les principaux sacrificateurs. Il y en a un seul qui est venu se présenter pour lui dire, Seigneur, en chemin, j'ai été purifié de ma lèpre. Avant que je parte me présenter devant les principaux sacrificateurs, il faut que d'abord je te dise merci. Il a posé la question et les 9 autres n'ont pas été guéris. Et la suite, c'est, il faut que vous soyez reconnaissant. Quand Dieu guérit, quand Dieu te fait du bien, il faut être reconnaissant. D'accord? Il faut être reconnaissant. Et pour nous, quand nous entendons les témoignages de la puissance et de la gloire de Dieu dans la vie des gens, nous ne faisons que bénir le Seigneur. Nous avons vu ce que Dieu a fait. N'est-ce pas? Cette famille a eu rendez-vous avec moi le 5, je crois, le 5 septembre. 5 septembre, on a eu un entretien. Voilà, un entretien. D'ailleurs, le monsieur, le responsable de la famille, ses parents sont passés à Divo. C'est un frère de Théon. Déjà, même, c'est pas lui, tous les gars de Théon, là. Hein. Si vous laissez le Seigneur passer, il y a eu des aveux, des aveux, des aveux. Sa mère, ses soeurs, on fait des aveux. Elle était pratiquement libérée. Et moi, ce qui me réjouit, c'est aussi la suite qu'il y a eu dans ces aveux qui a abouti sur la délivrance de Casimir. Voilà, ce fou de 30 ans de folie et tout ça. Voilà. Et donc, lui, comme les aveux, dans les aveux, il y avait son nom. Tu as gâté qui dans votre famille? À mon grand frère. Hein? Il est en France. Comment il s'appelle? Célestin. Tu l'as gâté comment? Papa, il a gâté son travail avec son argent. Quand il gagne l'argent, ça ne reste pas dans sa main. Comment tu t'es arrangé à aller gâter son argent et son travail? Je me transforme en corbeau pour aller là-bas. Il m'envole pour aller là-bas. Arrivé là-bas, il rentre dans sa maison. Et puis, il y a le pouvoir qui sort dans mes yeux. Et il voit où il gagne ses choses. Donc, avant de partir, tu sais déjà où tu t'en vas. Oui, papa. Tu as tout son adresse. Oui, papa. Tu pars, hein? En combien de temps? Tu ne fais même pas 15 minutes, c'est ça? Oui, papa. Et puis tu es en France, je lui. Oui. Tu sais où il est? Oui. Alors, quand tu arrives, tu fais comment? Je suis devant sa porte. Hein? Sa porte s'ouvre. Et puis il rentre dans la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Et puis il rentre dans la maison maintenant. Quand il rentre, il voit où il a gardé ses choses et puis il prend. Il prend ses choses pour venir à ça. Il prend son argent pour venir à ça. Donc quand ils ont regardé, il n'y a pas l'argent. Donc ça veut dire que toi tu es là, mais tu le contrôles. Tu contrôles sa vie. Oui. Il est passé, n'est-ce pas, pour bénéficier de ta grâce. Et donc, sa femme, son épouse, sa belle-mère, il les a tous envoyés, n'est-ce pas, à Vitry, ici. N'est-ce pas, nous nous avons écouté d'abord le 5 septembre 2020. Il y a eu d'abord l'écoute et on a eu la séance de prière le dimanche 6. Dimanche 6, nous avons prié. Dieu est passé par le canal de son serviteur que je suis pour révéler les choses un peu cachées. Voilà, les esprits. Et nous avons lutté dans la prière par la grâce de Dieu. Il y a eu un miracle. Alors, donc nous avons partagé ce témoignage. Nous allons vers la famille pour que le témoignage soit partagé. Alors, vous vous présentez, c'est important. On enlève un peu le masque, je me cache le nez. Non, juste pour le témoignage, sinon, après, vous allez remettre, comme ici, c'est une loi. Okay. Bonsoir, moi, c'est Nyonsoir Hubert, état civil. On m'appelle Célestin. Voilà. Et c'est ma famille, je suis le grand frère Flore de Théon. Voilà, lui, c'est mon fils. Elle, c'est ma belle-mère. Elle, c'est ma femme. Vous présentez, madame.
Bonjour, moi c'est Nathalie, c'est mon mari. Non, Nathalie, il y a quoi? Il y a quoi à côté de Nathalie? Qu'est-ce qui accompagne Thiopo. Nathalie? Nathalie Thiopo, je l'ai dit. Ah, oui, oui. Nathalie Thiopo, on vient du Suriname et de la Guyane. Moi personnellement, je suis née en Guyane, et, mais d'origine surinamienne. Ma mère du Suriname, mon fils. Et moi, je ne savais pas ça. Après ça, je suis allé faire les recherches sur Suriname parce que je ne connaissais pas. Et j'ai vu un peu. Il faut que vous m'invitez là-bas. D'accord. Oui, parce que c'est une région qui m'intéresse. Ah, là-bas, c'est... Parce que c'est la culture. Vous avez la culture africaine à l'état naturel. Ouais. On le sent chez vous. Ok, donc les témoignages. Depuis le 5, nous sommes venus chez le papa, le prophète Joël Crasso. Le 5 quoi? 5 septembre. D'accord. Voilà, ouais. Nous sommes passés ici. Voilà, il nous a porté son soutien. Il nous a beaucoup aidé. Voilà, par la délivrance de la famille. Et depuis ce temps, lui, le petit, c'est depuis qu'il est né, c'est maintenant qu'on le voit le soir, il va dire qu'il va dormir. Maintenant, il dit la semaine, il va dormir. Sinon, il ne dormait pas seul, comme ça. Non, non, il ne peut pas dormir, il veille jusqu'au matin, tant qu'on ne l'a pas forcé pour aller dormir. Mmh. Voilà, maintenant, ça va chez lui, et la maman aussi, tout va bien chez elle. Alors, donc, on veut écouter votre témoignage. Mais moi, de mon côté, c'est surtout ma mère qui avait un problème. Il y avait un esprit de serpent qui s'était accaparé d'elle depuis très jeune, hein, qui l'empêchait d'avancer. Elle a fait plusieurs églises à la recherche d'aide. Ah, d'accord, elle a fait plusieurs églises. Oui, oui. D'accord. À la recherche pour qu'on puisse son départ. Oui, chasser le stage, ouais. Et tout. Elle a dit que jamais un jour un pasteur ou quiconque avait pu le mettre à terre. C'est seulement quand elle est venue ici que le prophète a pu le faire. Quittez-la, je sens quelque chose de trop négatif. Alors, je peux parler avec ta mère? Je vais parler avec elle. Il faut dire tout de suite, je vois comme on l'a habillé. Habit tout noir. Et je la vois comme dans le noir. Et c'est comme un sacrifice. Et que sa mère, dans sa lignée, les gens tuaient pour aller adorer. Oui, ils ont l'esprit de la sorcellerie. Avec sur toi parce que c'est pas bon ce qui est sur toi. Je peux avoir le masque vraiment la visière là, je crois. Pardon.
Tes enfants au nom de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Libère-la au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Recevez la gloire de Dieu, recevez la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Allez, peu. À sa fille, est-ce qu'elle sait qu'elle adore le serpent dans la famille de lui? Maintenant, c'est le serpent qui se manifeste. Voilà, c'est le serpent. Vous savez ça, vous adorez le serpent? Vous savez ça? Thank you.
Guinée, on va m'enlever, la terre Guinée, 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 on va m'enlever, la terre Guinée, Guinée, des appels de la famille qui nous disaient que depuis qu'on était venu voir le prophète, qu'il y a beaucoup de choses qui avaient commencé à changer dans la vie, dans leur vie. Il y en a qui ont du boulot maintenant, qui, ceux qui vrillaient un peu sont redevenus dans le droit chemin. Et voilà. Ah, maintenant, on veut savoir un peu de détails sur les témoignages. On vous a appelé, qu'est-ce qui a été dit concrètement? Qu'est-ce qu'ils ont fait ressortir? Déjà, j'ai ma grand-mère qui l'a appelée. Elle a appelé qui? Ma mère. Alors, on peut écouter ta mère déjà, puis tu traduis? Oui. Voilà. Neta emosu, emosu konda liokumoto aki, go, e an pasa. Léa si veli, e son nande. Voilà. Non, mais on t'a pour. Liokumoto aki, go. On a fait comme vous avez dit. Alors, qu'est-ce qu'elle avait déjà? Je voulais savoir elle-même. C'est vrai que tu as dit un peu, mais là, elle-même, comme vous avez dit, elle a parcouru les églises. Il faut que brièvement, elle touche un peu. Qu'est-ce qu'elle avait quand elle venait avec vous les rencontrer? Demande-lui. Elle a dit que avant elle allait dans plusieurs églises. Elle a fait plusieurs églises, mais rien ne se passait avant qu'elle arrive ici. C'est seulement quand elle est arrivée ici qu'elle a vraiment compris, et bon, pas compris, mais... Ça, c'est en vie. Voilà, c'est là qu'elle a, elle a vraiment trouvé la solution, pour dire ça, voilà. Elle a dit que quand on est venu ici le lendemain, quand on est parti, on a dormi et le matin, sa mère l'a appelée pour lui dire qu'elle a fait un rêve, qu'elle voyait une personne, mais elle voyait une silhouette de personne en blanc qui lui disait que oui, tout ce qui se passait dans ta famille, donc c'était moi. Donc, je suis venue te dire que c'est moi qui ai appris tout,
tous tes enfants, la vie de tes enfants et même ton dernier fils qui a souvent des problèmes, que c'était moi aussi qui faisais ça dans ta vie. C'est ça, elle, c'est sa mère, c'est ça. Qui lui dit ça, qui lui donne la révélation. Qu'il a appelé pour lui dire ça, pour lui dire ça. Qu'elle a fait le rêve. Wow. Et elle, maintenant, comment elle a senti après la rencontre? Alors, quand sa mère lui a dit ça, qui est ta grand-mère, alors quel a été le changement dans la famille? Il y a eu quoi? Quel est le signe du changement? Elle dit qu'on est revenu, il y a son fils qui l'a appelé pour lui dire qu'il commence à avoir des changements dans sa vie. Sa grande fille aussi, ma grande soeur, aussi pareil. Et sa mère, ma grand-mère, l'a appelé. Moi, je suis au corps, je suis un peu Elle dit que, elle lui a dit de vous dire de continuer à les aider parce qu'il y a eu du changement, dans leur vie et de continuer. Amen. Alors, au travers de ce témoignage, qu'est-ce que nous voulons partager aux gens pour dire Jésus-Christ est encore le même? Parce que les gens, comme elle vient de signer, elle a parcouru beaucoup d'églises. Ce n'est pas le fait qu'elle parcourt des églises qui est un problème, d'accord? Elle a sollicité les prières des gens. Mais chaque homme de Dieu a sa spécialité. Et c'est ça que les gens doivent reconnaître. Alors, quand le problème a été décelé, Jésus, il y a une action que nous avons posée. Chassé, détruit, mais il y a des actions prophétiques que nous avons recommandées. Parce que ça, c'est très important. Et nous avons recommandé. Et moi, je ne suis pas surpris du résultat. Parce que je sais qui est Jésus. Et je sais l'onction qui est sur ma vie. Alors, pour vous dire, que Dieu bénisse votre famille. Amen. Et ce que je déclare aujourd'hui, que la lumière commence à toucher la famille et que Dieu qui a commencé, il va aussi achever l'œuvre. Soyez bénis. Shalom. Amen.